Tata Pong, qu'est-ce que Tata Pong représente pour toi-même? Et qu'est-ce qu'on a là? Amaron, déjà, ils ont parolé, les générations-là, ils ont parolé. Donc, Tata Pong, vous venez, vous venez. Donc, vous avez impacté le monde de quelqu'un. Bon, là, tout d'abord, on va dans le bigoté, Tata Pong, à Damene. Un grand frère Rudo, un grand frère Baba Bauer, Mounou Nana Rapuko, Erega, Sigi, genre qui a innové, Albiga Fanga Douala. À travers ça, on fait un Mounou Yodoronou, on fait un expérience Chaman Soro, on fait un Chaman, donc là, moi je peux dire que Tata Pomoro, ou Jorobar est représenté en boulot parce que pour nous c'est une fierté. Tu vois, au final, où Jorofa Koena quoi. Ouais. Ok, bon. Qu'est-ce qui est, par exemple, Beba don follow il m'a mis la main. Il veut que la cassette, c'est pourquoi mis la main. Bina, Franco Biki, invitez-les. Qu'est-ce que ça te fait? Ouais, bon, pour moi, oui, fier de l'eau. Voilà. Voilà, là, je suis fier. Donc, on peut faire la donne, Fenega soutien, ça demande ça. Donc, je suis venu aussi, Sego Anin Damaire, Fenfen Koena, Moreke, Menjorofa, Orefene, Nega, tu vois, Orefene, Nese Koena, quoi. Atsega Temoka. Okay.